D'information, il a vu le ballon, et puis il a tapé dedans. Et l'autre a mis la jambe entre, quoi. L'autre joueur, oui, a été beaucoup plus vif. Bon, après, c'est malheureux ce qui se passe, j'espère que ce sera pas grave et qu'il pourra reprendre rapidement. On a fait comme on a pu, hein. On a paré au plus pressé, on a serré les lignes, on a fait deux lignes de quatre, on a une opportunité dans le match, ils en ont deux ou trois. Et voilà. Déçu parce que, bon, toujours pareil après, hein. On se dit, tiens, si on avait été 11, peut-être que. Mais bon, on savait qu'on tombait sur une équipe qui était joueuse, une équipe de qualité. Et on savait que, bon, à un moment donné. Adieu la batterie. Oui. Hey, ça marche avec les projecteurs, non? C'est ça, c'est pareil, c'est pareil. C'est l'Alsace. Déficit offensif actuel et malheureusement la saison plus elle avance moins les jambes tournent vite, donc il va falloir retrouver de la fraîcheur pour assurer définitivement le maintien. Qu'est-ce qui manque réellement au Colmar aujourd'hui? Des gestes techniques suffisants pour éliminer, des gestes techniques individuels même on va dire pour éliminer l'adversaire, parce que collectivement on peut faire tourner la balle comme on l'a fait, ça ne donne rien, c'est trop stérile. Voilà, messieurs, 0-0 ici au Colmar Stadium. Les autres résultats, Carquefou notamment qui a battu Strasbourg 1-0. Carquefou, Strasbourg 1-0. Luce...